Vous êtes sur RTL. En agence. 7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi. Nous sommes mercredi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai des lecteurs qui sont de plus en plus nombreux. Ah. Bonjour Jean-Marie Le Pen, vous au moins vous avez l'air de bonne humeur. Et alors, ça vous défrise? Voyez-vous, Fräulein Jade, le tome 2 de mes mémoires vient de sortir et il caracole déjà en tête des ventes. Par conséquent, pourquoi devrais-je avoir la larme à mon œil, n'est-ce pas? Alors il faut dire que dans ce tome 2, tout est réuni pour un succès en librairie. Hein. Vous racontez votre carrière, mais aussi votre vie intime de 1972 à aujourd'hui. Au fait, c'est bien vous qui l'avez écrit, Jean-Marie Le Pen? Je n'allais quand même pas prendre un maudit politiquement correct. Un porte-plume, n'est-ce pas? La dernière fois que j'ai eu recours à un biographe, n'est-ce pas, il est parti avec ma première femme, Pierrette. Un ancien ami à moi, très vilain, et qui m'avait inspiré à de ces jeux de mots dont j'ai le secret. Pierrette et le pote lait. Ah oui, votre femme Pierrette qui, pour se venger d'avoir été répudiée, avait posé nu en soubrette dans Playboy, c'est bien ça? Oui, je vois que vous êtes bien informée, petite fouineuse. Mais oui. Mais je lui ai pardonné avec ma mansuétude coutumière, n'est-ce pas? Et désormais, c'est moi qui montre tout. C'est d'ailleurs à Montretout que j'ai fait bâtir un petit abri de jardin pour recueillir Pierrette qui s'est rhabillée depuis, mais continue néanmoins de faire le ménage pour ne pas perdre la main avec son plumeau, et se rendre utile. Oui, oui. Vous parlez aussi de politique, forcément, et donc beaucoup de votre fille Marine. Hélas, vous touchez là, n'est-ce pas, un point sensible. Une épine dans mon fondement de père qui en a vu beaucoup d'autres pourtant. Mais il était bien normal que je raconte la trahison de la chair de ma chair à qui j'ai laissé les clés de mon front et qui en a fait un rassemblement de femmelettes. Si au lieu de causer tricot avec Monsieur Philippot, Marine avait davantage fréquenté ce bon Éric Zemmour, elle n'eut sans doute point viré gaucho ramolo sans trop bardélise, laissant ainsi à ma nièce, ma petite Marion chérie, le monopole de la vraie droite nationale. Alors, c'est vrai que dans votre livre, vous ne tarissez pas d'éloges sur Marion Maréchal Le Pen. Elle les mérite, non seulement elle ressemble à Jeanne d'Arc, avant son accident de bûcher, naturellement, mais il suffit de regarder son visage. Il y a dans les yeux de ma nièce toute la droiture d'une vraie patriote qui sait regarder loin sans perdre de vue les côtés. Bien, merci pour elle et bonne promotion de vos mémoires, Monsieur Le Pen. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai prévu d'organiser une séance de dédicace nocturne que j'ai intitulée, La nuit des longs stylos. Allez, allô, j'ai sorti mon stylo. Fabrice Luchini est en promotion dans les médias pour son nouveau film à l'affiche, Alice et le maire. À cette occasion, il a fait quelques commentaires sur le personnel politique et notamment sur François Hollande, le qualifiant, je cite, de queutard. Non ! Bonjour François Hollande. Queutard, je l'ai entendu ça. Ben oui. Je dis non ! Mais non, à quoi ? Je ne suis pas qu'un sexe sur pattes. Sous la teinture, il y a aussi un cerveau. Ah mais... C'est énorme. Ah bah bonjour Fabrice Luchini. T'énerve pas, Fanfan, quand je dis que t'es une libido en marche, c'est un compliment que je te fais. T'avoueras que t'as pas a priori un physique à faire tomber les meufs. Surtout que t'as eu dans ton pieu des bebons hallucinantes. Tu vois, t'illustres parfaitement cette phrase du grand philosophe Jean-Claude Duss. Oui. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher. Mais non, je suis d'abord un homme politique. Un homme d'État. C'est là où t'es génial, Fanfan. Avec la France, t'as fait comme avec les meufs. Quand t'étais à 5%, personne n'y croyait. Avec ta tête d'épicier, on t'imaginait plus chez Félix Potin qu'à l'Élysée. Et pourtant, t'y arrivais. T'es un génie, Fanfan. Ah, François Hollande n'a pas l'air d'être d'accord. Tu vois, la Jade, c'est ça qui est beau chez Fanfan, c'est qu'il a aucun, mais alors aucun sur moi. Mais je suis de gauche. Mais oui, t'es de gauche. Tu incarnes la gauche. C'est l'égalité. Regarde, t'es pas Brad Pitt et pourtant, t'es à égalité avec lui. T'arrives à pécho des meufs. Oscar Wilde disait, le démocrate exige que tous les citoyens prennent le départ sur la même ligne. L'homme de droite estime qu'on devrait en arrêter quelques-uns en route. L'homme de gauche voudrait qu'ils finissent tous premiers. Mais
Mais j'ai rien compris. Mais je dis oui. Le mois d'octobre bat son plein, l'été est désormais derrière nous. Voyons comment bien aborder l'automne avec Stéphane Marie, le célèbre jardinier de Silence ça pousse. Bonjour Stéphane Marie. Bonjour, bonjour. Alors Stéphane, que nous conseillez-vous pour bien négocier le virage de l'automne ? Alors, vous connaissez le dicton, quand l'été fait son baluchon, arme-toi d'un tire-bouchon. C'est-à-dire, vous nous conseillez de boire ? Absolument. Oui. Le froid revient, les jours rétrécissent, il pleut, bref, on déprime. Et pour lutter contre la déprime, rien de tel qu'un bon coup de jaja. Enfin, Stéphane, qu'est-ce qui vous arrive ? Et le jardin, alors ? Le jardin en automne, c'est nul. Il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de framboises, il n'y a plus de fraises. Le seul truc qui reste, c'est les betteraves. Berk, les betteraves. Ah non, moi je trouve ça bon, les betteraves. Oh, quelle énigode ! Les betteraves, c'est dégueulasse. Donc en automne, on dévégétalise. On laisse les limaces bouffer les betteraves. On coupe les tulipes de Jeff Koons à la tronçonneuse et on récupère les 3 millions d'euros qu'elles ont coûté pour acheter du pinard et on se bourre la gueule en écoutant des chansons tristes roulées en boule dans le canapé. Ah, ça c'est joli. Ah ben c'est noté Stéphane, merci de vos conseils. Bon programme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours aux commandes de son journal de 13h sur TF1, notre ami Jean-Pierre Pernaut ouvre chaque jour une fenêtre sur la vie de nos régions, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Eh bien oui ma petite Jade, dans nos régions aussi l'actualité bat son plein puisque les premiers champignons, ben, ils sont arrivés dans nos forêts. Ah. Prenons la direction de Jarnac-le-Fisc dans le Belloubet. On vient d'ouvrir le plus grand marché aux champignons de France. On peut bien sûr y découvrir les célèbres bolets, girolles, trompettes de la mort, mais... La véritable star du marché, c'est l'Agaricus mycosus, plus communément appelé champignon de doigts de pied cueilli directement entre les orteils des cultivateurs locaux. Il a un petit goût de noisette qui enchante les gastronomes. Il se déguste aussi bien en salade qu'en omelette, à déguster de préférence avec un verre de schlinguette. Un délicieux nectar à base de jus de chaussette fermenté 8 jours à même la botte. Oh là là, ça donne faim votre truc. Et puis l'actualité du champignon nous conduit maintenant au charmant village de Jouy-sur-Loche, où vient d'ouvrir le musée du bolet, un musée qui permet aux visiteurs curieux de découvrir une grande variété de bolets, oui, il y en a plusieurs, comme le célèbre boletus Eudulis, le cèpe de Bordeaux, le boletus Erythropus, le bolet à pied rouge, mais aussi le boletus Fleur d'Anus, un très beau bolet, sculpté par Jeff Koons, qui est très rare. D'accord, merci Jean-Pierre pour cette balade dans nos régions, on ne s'en lasse pas. Attendez ma petite Jade, car l'actualité du champignon ne serait pas complète sans un détour par le charmant village de... La Fistinière. Ah, mais oui, bien sûr. Où le maire d'hiver droite, apparenté cheminade, Jackie Chiasson, donnera cette semaine le coup d'envoi du tournoi annuel de champignons rondelles, un sport passionnant qui consiste justement. Oui, non, mais merci Jean-Pierre, on n'a plus le temps même. Alors, pour trouver tout ça, excusez-nous, bien entendu, sur le site RTL. Voilà. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Bon, écoutez, allez, laissez-vous tenter dans un instant. Je crois que c'est plus simple.